Maintenant,
Bon, on fait pas de tête. On la même parce qu'on va y aller. La carte que je vais effectuer, je vais la faire sans élan. Donc juste avec la jambe avant, retirer les frappes. Ok ? En espérant que ça Alors, Lilian va vous montrer un coup de pied arrière sauté et passer les champs en deux mots. Le ITF en France est assez peu développé, du fait que c'est assez complexe, mais mon élève en Finlande, mon élève la plus vieille que j'ai eue, a 83 ans. Et j'enseigne beaucoup aux enfants de 5 ans, j'ai à peu près 130 élèves en Finlande, et pour moi il n'y a pas d'âge. Donc, si vous aimez, si vous avez été inspiré par ce que vous avez vu, je vous demande de soutenir l'IDF et d'essayer de commencer à pratiquer. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral et c'est bon pour les jambes. Et on travaille beaucoup de fessiers pour les demoiselles pour cet été. Merci. Est-ce que vous avez une différence entre l'IDF et l'EDF? Il y a une très grosse différence entre l'IDF et la WTF. Le seul point commun que l'on a, c'est le nom. Les douilles, donc les katas, sont complètement différents. Nos règles de compétition sont différentes. En WTF, par exemple, ils n'ont pas le droit de donner de coups de poing au visage. Nous, on a le droit. Mais la différence avec la WTF, c'est que le contact en WTF autorise le chaos. Nous, c'est du semi-contact, donc c'est contrôlé. Du moins, ça devrait l'être, mais bon, c'est assez contrôlé. Et les compétiteurs ne se spécialisent. Les compétitions ne sont pas seulement en combat, ou en toul, ou en kata. Les compétiteurs font tout. Nous faisons du combat, de la casse. De la casse en hauteur, par exemple, le record d'un néo-zélandais qui s'appelle Carl Van Groen, qui est venu en Finlande il y a 3 semaines, donner un stage en coup de pied sauté, coup de pied de face sauté, et de 3 mètres 10. Okay? Donc, ça peut vous donner une idée plus ou moins du niveau. Et ce compétiteur qui arrive à sauter à 3 mètres 10,
est aussi champion du monde. Il a été champion du monde, trois fois champion du monde de coup de pied sauté, donc de technique spéciale, mais aussi champion du monde de combat. Et vainqueur de la Coupe du monde de Toul. Ok, donc c'est quelque chose, c'est disons que l'ITF, c'est quelque. Je le compare souvent au pentathlon, c'est ça? Le 5? Ouais. C'est un genre de pentathlon, donc on travaille tout. C'est pas seulement le combat ou la casse, ou... mais pour les passages de ceinture noire, par exemple, il y a la casse, le combat, les connaissances, tout. La différence, par exemple, entre nos deux boîtes, les ceintures noires entre premier et troisième dame ont un deux blocs avec des bandes noires en bas du haut, ou en haut du bas, ça dépend. Et les instructeurs, donc de 4e à 6e dame, ont les bandures sur la jaquette et sur le pantalon. Et les ceintures, les maîtres, les grands maîtres, donc 7e, 8e, 9e, ont une lisière blanche en plus au milieu. Et c'est tout. Donc la différence avec la WTF, c'est vraiment, bon, à mon avis, c'est tout. Et nous n'avons que le nom en commun. C'est triste, mais c'est comme ça. OK? Et je pense que l'IPF au niveau visuel est beaucoup plus dynamique à voir, parce que c'est beaucoup plus complet. Mais bon, c'est mon avis personnel, je ne veux pas. Oui. Il y a deux clubs sur Paris, je vais faire la pub. Il y a deux clubs sur Paris. Il y a un club qui est à la Marine Nationale, à métro Saint-Augustin, et donc Gare Saint-Lazare, et un autre. Ici dans le 13e, Savonillon enseigne dans les deux clubs. Donc voilà, si vous voulez vous entraîner avec quelqu'un de ce calibre, vous allez voir, enfin, il n'est pas grand, mais il a un gros calibre quand même. Mais allez voir, vous prendrez une petite carte ou bien un prospectus, gardez-le au chaud pour septembre. Après l'été, c'est toujours relancé. Ok? Merci, bonne soirée. Merci. Donc, normalement, il va y avoir une chorale qui va passer. Je ne sais pas si elle est prête.